titre. De la vie travailleur, ouais, avec ça. Oh, il me pique avec les deux, c'est sûr. La porte elle est vraiment merdique, c'est un truc de dingue. Franchement, si un jour j'arrive à voir ce Beniz, si un jour. J'en dis virer le mois, filer mes bénisses d'avant. Et bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu une petite réparation, s'il vous plaît. Yes, c'est possible. Le moteur a l'air d'aller bien, à mon avis c'est que les vitres. Ouais. Alors attends. Ah, de ce côté là ça va. Déjà on va virer tout le verre qu'il y a dedans. Ah bah il est revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si, désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Je me demandais où c'était parti. Attends, je finis avec les vitres là et je m'occupe de... Ou alors attends. Je vais te faire ta facture. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'as dit quoi?
Assez tranquille. Et désolé, il y avait un truc. Du coup, Ouais, je sais pas si je charge la peinture. Tu peux me dire les ah, vitres teintées, c'est combien? bah attends, je finis avec la réparation et Si, bah j'arrive à vas-y, faire ça. finis ici. C'est parce que t'as fait une réparation dessus là. Bah oui, bah t'es parti un moment. Il est tout neuf, professionnel. T'es parti un moment, je sais pas ce que tu faisais. Incroyable. De Dieu, il y a du chou là-dessous. Polish, mais c'est tout bon. Jamais à quel matricule? 47. Ah, c'est tout bon. Eh ben nickel, merci beaucoup. Y'a pas de soucis, bon courage. Merci à toi aussi. Du coup. Alors attends. Je vais monter la compta. Attends 30 secondes, je vais mettre la compta. Ok, c'est bon. Alors, tu veux une peinture, c'est ça? Non, dis-moi les vitres teintées, Cobra. Oh, c'est cher sur cette voiture. Incroyable. Tout ça pour le cacher ma gueule. Même pas, le pare-brise est pas teinté. Ah bah? Bah oui, le pare-brise est pas teinté. C'est que les côtés. Oh, c'est pas si cher que ça en fait. Je crois qu'on est aux alentours de 11 000 ou 10 000, un truc comme ça. Oh, c'est pas cher, 11 000! On est à 8750. 8775. T'es allé, il est pas là. Tu prends, ok. Allez, tu veux que ça? Si, il va emmener toute la favela en vacances. Non. Oh le tueur. Si. Tu veux une peinture avec ou pas? Franchement, il hésite à le mettre. Vas-y, mets-le en noir. Mets-moi un bon noir noir. Enlève le reflet là. C'est parfait. Et voilà. Si, vas-y, comme ça, c'est bon. Alors là, on en est à 11 775. Si, vas-y, tu peux me dire le moteur? C'est combien? Alors attends, je regarde. Tac tac tac. Merde, formule clé. On est à. C'est 3609 le moteur. 3609. Si, vas-y, mets-le. Ça va se rajouter au. T'as compris, hein? Si,
Si, oui, Ouais. compris. Donc là au Y'a un total. turbo dessus? Ouais, y'a un turbo. Vas-y, pétez-moi quand même le turbo. Bon, ça va être pareil. Ouais, c'est le même prix. Si, vas-y, mets-le. Transmission. Y'a une transmission? Pareil, même prix. Vas-y, mets-le. Tu veux les freins? Faut bien les freins. Ça va être pareil. Parce que moi, il te dit freiner que flamme. Ah, bon bah écoute. Vas-y, ça fait combien avec les freins? En total? On est à 26 688. Oui. Tiens, allez, vas-y. C'est bon, je le fais? Tiens, vas-y. Ouais. Ça, c'était avec les freins. Hein. Ah, il y a tout là. Tiens, bah oui. Moteur, transmission, frein, turbo et la peinture. Et les vitres. Tiens, vas-y, allez. Tiens, allez. On valide. C'est validé, monsieur. Tiens, perfecto. Fais-moi cette belle facture. Alors, Maintenant, le banquier va pas être content. attends, faut que je jette la plaque avant de te faire la facture. Tiens, vas-y. Tu peux montrer un permis ou une carte, s'il te plaît? Si, bien sûr. Et j'aimerais bien que tu me dises le nom du véhicule aussi. Merci. Si, c'est pourquoi t'as kiffé? Non, C'est c'est pour noter sur la facture en fait. Minivan Custom. Ah oui, ok. Non, mais j'en ai déjà fait un ce matin comme ça. Moi ouais, Ah j'aime bien si, ces véhicules, c'est des véhicules qui ont des suspensions hydrauliques. c'est Tu peux un le bon coffre aussi. faire sauter. Ah Alors bon? attends, ouais, si, avec les suspensions hydrauliques, tu peux lui faire faire des sauts. Ah, il les est? Ouais. C'est d'accord. Et si, c'est celui-là Faut, ju faut juste savoir s'en de... servir en fait. C'est celui-là de Z que t'as fait ce matin. Attends, on m'appelle 30 secondes. Allô? Allô? Oui? Comment tu vas? Je suis au garage, je suis avec un client là. Ah, le petit Rezus, il est là? Ouais, il est là. Tu peux lui demander de me rappeler pour savoir pour ses moteurs parce que là j'ai plus de place. Ouais, je vais lui dire, je vais lui dire. Merci, des bisous. Alors du coup, ouais, c'est sa voiture que j'ai faite. Tu sais. Tiens, voilà pour toi. Tiens, t'as vu. Attends, faut que j'aille dire quelque chose à Jesus. Il y Ouais. a Palmer qui veut que tu la rappelles. Ouais, vas-y, vas-y. Elle va arriver avec Attention. 36 000. Attention, là, je vais pas partir de suite. Faut que je te donne des kits de répa et tout. Ah oui, c'est vrai ça. C'est qu'elle veut venir avec 36 000 moteurs. Pas enfin, façon de parler, t'as compris. Elle est pleine à craquer de moteur. Tant que c'est ton code moteur. Ouais. Seigneur, elle a le feu. Quoi? Elle a le feu, sa voiture. Bah oui, il est parti en roue arrière. J'ai pas fait attention. C'est bon, il est réglé. Tu l'as réglé? Si? J'ai pas fait attention. Ok. Ouais, t'inquiète. Ah, Ouais, pas il de te soucis. remercie, t'as fait du beau boulot.
Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais bon, allez, à plus tard. Et demande à José comment on fait les suspensions. Si, vas-y, ça marche. Il te dira, je pense. Mais you clock, you sais, je crois. Oh, bah, si tu sais. Je sais plus. Bah, allez. Il te dira comment faire. Allez. Allez. Si, vas-y, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, ouais, je pense que c'est ton bon idée. Attends, bouge pas, bouge pas. Ah, il y a les poillons froids quand même. Bon, attends, je vais. Je nettoie tes lunettes en fait pour que tu puisses me voir la prochaine fois que tu passes 15 fois devant moi à pleine balle en ville. Ah, gros. Et heureusement que tu m'as pas rentré dedans parce que t'es passé à une vitesse. Oh là 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 là. T'es vraiment un danger public. Je m'arrête pas, je suis même passé à 180. Il y avait les flics au feu rouge. Et je dis. Ils ont failli me rentrer dedans. Oh putain. Ils grillaient le feu rouge et moi c'était feu vert. Mais du coup, ils ont rien fait. Je suis passé à 180, j'ai grillé le feu rouge. Là, bah, comme si t'allais avoir le temps de t'arrêter. Non, bah tiens. J'ai envie de. Oh putain. Bon. Regarde, j'ai quelqu'un à te présenter. Quoi? T'inquiète. C'est qui? Il s'appelle Samael. Samael? Ouais, ouais, ouais. Fais attention. Voilà, ça va aller. Mais miaou. Miaou. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas à moi, faut que tu me donnes en fait. Bah, c'est ce que j'ai. Ah, non, mais en fait, je vais t'expliquer. Il faut que tu utilises comme si c'était pour toi, ça va être donné pour lui. Voilà. Ah. J'ai expliqué un peu crûment, mais t'as compris. Excellent. Voilà, je te présente Samael. Il faut lui donner à boire aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Ouais, bah c'était. Il a bu. C'était du coup à manger qu'il avait envie. Et tu l'as récupéré quand? Hier. Ok. C'est simple, okay. Je voulais du coup un animal. Attends, et du coup, bah, quand j'ai été parlé du coup avec les deux Attends, attends. Parce que c'est incroyable. Ah, tu m'as tué, franchement, là, avec ton chat, excellent. Excellent. Oh là là. Mais voilà, en fait, hier, du coup, quand je suis parti avec les deux vignerons, et bah, du coup, il m'a montré son chien. Et bah, je voulais, dans tous les cas, adopter un animal. Et il m'a dit que, du coup, il l'avait acheté, du coup, à l'ancien propriétaire du Quai de Café. Alors, du coup, on avait déduit que c'était peut-être Jenny du Quai de Café qui du coup tenait maintenant la boutique comment on appelle ça bah du Kit Kat Coffee. Ouais, mais une animalerie, voilà, que dans son Kit Kat Coffee, du coup Kit Kat Café, du coup il y avait l'animalerie. Du coup, bah, je l'ai appelé, j'avais son numéro et je sais plus le nom que ça a exact en fait au Japon, ces magasins, j'ai plus le nom. En gros, c'est des magasins où tu peux prendre un petit truc à bouffer et être autour d'animaux. Allô? Ah. Allô? Oui, j'étais en train de réfléchir. Ah oui, tu réfléchis bizarre des fois, toi. Et c'est avec cette voiture que tu m'es passé devant deux, trois fois. Bah, c'est celle-ci, hein, tu l'as utilisé tout à l'heure.
La dernière fois que tu m'es passé devant, c'était au niveau de... Du palais de justice à côté du... de l'hôpital qui est à côté de l'autoroute. En direction de... du poste de police qui n'est pas vraiment utilisé. Alors là, bah je ne savais pas. Tu m'es passé sur... En fait, j'étais sur la voie de droite, t'es passé... Nyon. Sûrement, sûrement là... Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Non, ouais, je me baladais à deux à l'heure, en fait. Alors, j'ai un problème avec mes yeux, moi je le vois pas. Allez, hop, retourne dans la voiture. Eh bah, tu sais quoi? Bah, je sais pas. Eh bah, tu l'as déjà vu, Croix-Blanc? Oui, je l'avais montré. Je l'avais montré au... One Shop. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'y pense. J'étais avec lui tout à l'heure sur la plage pendant... Je suis resté une bonne heure là-bas. Ah. Je me musais avec le chien. Et en vrai, les Yuski, c'est super fidèle. Hein. Ah, j'y pense. Du coup, pour l'event... J'étais en train de réfléchir là-dessus, mon chef. Justement, soit faire gagner une voiture de drift, soit un chèque de la valeur de l'équivalent de la voiture. Est-ce que je peux participer à la donation? Je donne ma RX. J'en veux plus. Je te la rachète. Ah, si tu veux. Mais elle est full custom en performance. Donc si, ouais. Ça va te faire chier. J'allons me pencher sur la question, mon chef, et je reviendrai vers toi, t'inquiète pas. Ouais, là, falloir que je fasse des machines et tout, là, falloir que je me dépêche de leur faire des machins pour des kits, soir, ouais, quand ouais. Quoi, soyons prêts. Ah, vas-y. T'as entendu? Ouais, j'ai dit 100 000. 100 000 Attends, j'ai mis 180 000 dedans, t'es malade, toi. Je te rachète... Je sais pas, en fait, tout le monde... Rachète là pour toi au pire. Tout le monde a pris des ZX actuellement. RX. ZX, ouais. ZX. Tu sais que vu qu'on est ton bloqué au niveau des 12 000 là quand même, mm-hmm. J'envoie une idée pour contourner ça. Suivant le cadeau qu'on choisissant, on l'achetons et le lot en fait, il le gagnera, mais ça sera un lot que genre. Tu vois, on lui fait avec le contrat de vente, tu vois. Comme si on lui vendait une auto, mais pour un dollar symbolique, tu vois. D'accord. Mais un contrat de vente. Genre, l'inscription, il a payé en un dollar. Et ce dollar-là, il servira à payer le contrat s'il gagne. Ça pourra être une idée aussi. Tu vois, parce que vu qu'on est bloqué à 12 000 de dons, ouais, tu c'est vois, vrai, pour. C'est ce que je savais, ça, ouais. Bah après, 12 000. Je sais pas, moi j'ai. Attends, mais est-ce que c'est 12 000 par personne ou par entreprise? Non, c'est ton par entreprise. Ah, ils sont malins. J'ai demandé. Attends, vous voulons pas venir vers la vitre là où il y a du whisky quand même? Ça m'aiderait. Allez. Voilà, impeccable. Voilà, donc j'ai vu Dynasty 8, bah du coup j'ai vu avec Jess, elle ouais. Participe. Burger Shot, il participe. Unicorn, il participe. Les villes. 10, 20, 30, 40, ça faisant 50. Est-ce que si je crée une entreprise à but non lucratif ou une connerie comme ça, ça peut fonctionner? Non, ça serait une entreprise. Je tente, hein, je tente. Quand il sera ouvert, je lui poserai la question à Taro. Fermolins aussi participe? Ouais, bon, elle pourra déjà à 60 000. Ça, quand ils sont ouverts, du coup, je vais faire le tour pour savoir exactement. Je vais noter. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir en n'allant pas offrir encore une futo carrément, falloir que. Bah, c'est pour ça que je vais au-dessus. Et au-dessus, c'est la Rému. Ouais, c'est ton la ZDR. Ah non, c'est ton la Rému. Ouais, on n'avons pas fait gagner une Rému encore, on pourra en faire gagner une Rému, écoute. Parce que la Rému, du coup, est à 57. Et ben voilà, on partons sur ça. Voilà, ce coup-ci, ça seront une Rémus Drift à gagner carrément. Et elles seront tout en haut de tout en haut, là-haut, là, tu vois, en sécurité. Okay. Et là, si le mec, ils voulant la voler, ils vont s'accrocher, ils allons se croiser du monde en descendant, je te le dis. Voilà, oui. Ouais, parce que sinon, je me suis dit,
Pour le gagnant, le PDM, du coup, j'achète le véhicule. Mais du coup, on laisse le véhicule sur la remorque du camion. Ouais, faudra regarder. Attends, je revenons quand même. Bon, bah, je mange un petit bout. Du coup, ma caisse, tu vas me racheter combien, t'avais dit? 170 000 bah, le prix que t'as mis dans la custom et le prix du véhicule. Ouais, bah, c'est 80 000 plus 100 000. Ça fait mal, hein? Ouais. Ça fait mal, non, je sais pas, parce que c'est pas. Moi, j'aimerais bien acheter la Tampa. Ouais, une RX, c'est mieux quand même. Je préfère la Tampa. Ah, une RX, c'est mieux quand même. Ouais, je préfère la Tampa parce que beaucoup de personnes ont la RX. Ouais, mais il y en a très peu qui savent la piloter comme RX, toi. Ouais, mais c'est vrai que la Tampa, c'est 350. Ouais, mais elle passe pas dans les virages là-bas. C'est pas grave. Moi, je l'avais passé. Ah. De toute façon, je sais que j'ai acheté ce véhicule, mais je vais plus jamais le sortir en fait. Pourquoi? Parce que. Franchement, j'ai été vraiment. Je veux dire, honnêtement, j'ai été vraiment débile de ouf d'acheter ça. Mais non. Mais gros, j'ai pété mes économies pour de la merde, voilà. non, c'est pas bon. Mais non. Moi, je dis que tu t'entraînes. Je suis en train de me dire. Non, mais non, mais. Gros, de m'entraîner, ça va me coûter le PIB du pays. pour en kit de réparation. Non. Sans parler des mâchoires cassées dans le volant, non. Sans siffler à force. Ouais, non, déjà. Et on met les bras. J'ai pas dit, mais cet après-midi, j'ai tapé un espèce de tonneau à 40 à l'heure sur place. Ah. Oh, j'ai flippé ma race. Non, j'en veux pas. Je te dis, j'en veux pas. Et puis surtout ce que j'ai vu après tout à l'heure avec les virages, là, non, c'est mort. C'est mort. J'en veux pas. Je veux la vendre, j'en veux plus. En fait, je voulais déjà t'en parler tout à l'heure, mais j'ai essayé d'appeler Taro. De toute façon, j'ai essayé d'appeler Taro pour la vendre, mais oui, tu n'es pas là. Hein? Il y en a plein qui pourront te l'acheter, hein, si tu l'avais. C'est juste que le problème, c'est que tu seras perdant dans tous les cas. Tu ne la vendras pas au prix que... T'as fait les custom. T'as mettrais combien toi? Bah, on va dire que déjà si t'as fait 180 000, on va dire si tu veux la mettre à 180 000, il te prend 30 000 sur le prix. Ouais, bah je prends. Ouais, c'est bon. Si je prends 150 000, c'est bon. Voilà, tu peux la mettre et. Bah, après, c'est sûr que si. Ça sera aussi moins que 150 000. Quelqu'un ne va pas acheter du coup une voiture au prix. Avec full perf, alors qu'il a juste à full... Ah, mais il y a full perf et peinture, j'ai oublié. Bon, bah, c'est vrai, en gros, c'est 200 000 quoi. J'ai mis 200 000 grosso modo. Donc, 200 000, en parlant de 200 000, il y a un truc qu'on n'a pas regardé avec ma voiture. Ah, oui, mais c'est ça. C'est par exemple, je vais mettre du coup des. Attends, tu parles de celle-là là-bas là? Ouais, des petits stickers sur celle-ci là. T'es sûr de toi? Je sais plus si on pouvait choisir un sticker. Bah, essaye de voir sur ton téléphone, sur internet, si tu peux voir si. Bah, dans tous les cas, il avait déjà un sticker sur son auto. Ah ouais? Donc, tu pourras. Enfin, en tout cas, tant que tu le valides ou pas, il restera que le sien. Voyons, ils prendront le dessus. Ouais. Enfin, voilà la plus belle, Karim. Mm-hmm. Voilà, tu ramènes un changement que. La plus belle remorque de Los Santos, Karim. Et je me suis dit, pour la Rimus. On part là-dessus, et si on a de l'argent en plus pour la Rimus, ben on peut déjà la préparer avec l'argent qu'il y a en plus. Ah mais cours pas ma jolie, j'ai ton là, j'ai bon pas mon fou. Ouais, salut. Tellement là que tu réponds même pas à mes appels. Mais ça sonne même pas mon téléphone. Ah, j'ai rien eu. Dernier ouais, appel, c'est 5h27 carrément. Bah, c'est de la merde, ton téléphone. Hein? Je capte ton pas partout, ma chef, tu sais. Ouais. C'est de la merde. Comment que ça allons sinon, à part ça? J'ai plus de place, alors je viens te voir. Déjà, il faut que je répare ma. J'ai pété une vitre. Ouais, bah, ça, c'est je te dois une réparation d'hier. De nature énervée, carrément. Mais en allant décharger. Et puis, c'est pas fini, hein, parce que il faut encore que je fasse un aller-retour.
Mais ouais, en allant t'aider à les charger quand même. Bah ouais. Yes. Puis vu le nombre de clients que j'ai, je peux être accompagné chercher l'astre. Alors attends, j'en ai déjà là. Viens. Quand je voyons des choses, j'avais envie d'apprendre à lire, je te le dis. Ah, ok. Ouais. Quand j'ai toi un petit peu. Tout ce qu'il y a là-dedans, mon dieu. Attends, j'arrive. Vas-y. Il y en a 300, je sais plus combien dans le camion là. Non, il y en a 35. Oui, il y a 35, oui, 300 kilos. Okay. Hein? J'ai ton speed carrément, tiens, donne-moi ce que tu. Ouais, pousse-toi, tête de chope. Tiens, donne-moi ce que tu devrais me donner, toi. Ouais. Un petit peu de douceur, quand même. Tiens. Ah oui, c'est mieux. Ouais, j'allais poser ça vite, que sinon, genre, les genoux, ils allaient fléchir, quand même. Après, t'avais pas dit de garer aussi près, c'est une galère, là. Ouais, carrément, il était obligé de monter sur la desserte, c'est. Oh, ouais, quelle galère. Le réparer. La tête dans l'écran placenta, carrément. Est-ce que tu as encore besoin de canettes et de ressorts? Ça devrait aller, ma chef, pour l'instant. Je te dirai au pire. Mais là, t'embêtes ton. Ok, bah j'ai juste 14. Je crois que c'est 14 moteurs à te ramener. Ok. Il en reste dedans? Je sais pas. Ah, il en reste 5, je croyais. C'est bon, je les ai. Oh, ma dos, mon 5 game. Alors, j'en vais pas plus résister quand même. Voilà, monsieur. Merci, mon chef. Ah, de la place. De la place? Comment ça? Bah, c'est, j'avais presque 500 kilos à la. Ah, chez toi? Bah, oui. Ah, oui. Puis attends, j'en ai encore, là, j'en ai 14. Maman, toi! Maman, mais tu m'en fais tomber carrément! Maman, mais. Tiens! Mais oh, j'ai rien fait moi! Ne mêlez pas vos histoires! Aïe aïe aïe, putain! Ah, seigneur! On pourra plus de vous quand même! Tiens! Je t'ai eu au vol! Comment tu. Je t'ai attrapé les lacets! Comment tu fais ça, putain! Comment? Je vais rester allongé, hein. Comment? Attends. Et attends, j'en ai encore, donc, puis le reste, bah, je vais aller le vendre là-haut. Vraiment, quoi. Oh, mais sérieux, quoi. Attention! C'est bien. Oh, tiens! Non, mais oh! Non, bah ça y est, non, mais ça, c'est des. Ça y est, les gosses. Oh. Après, c'est pas toi qui prends mal, hein. Ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Tiens! Toi aussi. Ok. Bon, mis à part ça. Tu voulais faire un custom à 300 000, c'est ça? Tu me parlais de faire un custom à 200 000 ou 300 000? Je m'occupe de ça tout de suite. Personne n'a un briquet sur. Non, désolé, je fume pas. On entend le film, on allons essayer mon auto quand même. T'as pas un briquet sur toi? Attends, ouais. Déjà on va à Dynasty. Les gars, je dis. Ah, dans le coffre. Ok. Vous faites quoi là? Ouais, je pense. Attends, maman, mon chouquel, dégage. J'essaie de monter dans le coffre. Ouais, et on prend la place pour ton gros fessier quand même. Pardon? Hein, j'ai dit que cette tour va être bien installée quand même. Excellent. Ouais, ça me dit que le coffre est fermé. Ils sont tous partis.
Je vais essayer de faire un truc. D'accord. Allô. J'ai pas voulu te raccrocher la galonne. Ouais, bah je crois qu'on a raccroché en même temps. Ouais, j'ai décroché au moment où t'as raccroché, j'ai capté. Du coup, ça va, je te dérange pas ? Non. Ok, c'était juste pour prévenir, du coup, comme tu m'as demandé, il y a une soirée Unicom qui commence, donc si jamais ça t'intéresse, on va être ouvert dans la soirée. Ah ouais, bah vas-y, bah je vais passer. Yes. Bon, pour l'instant c'est très calme, mais bon, tu connais, hein, c'est comme d'habitude. Ouais, tranquille, tranquille. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Excellent, merci, gars. Ah, qu'est-ce qui se passe par là? Ah, mais d'accord, il a mis un message. Bref, c'est que les messages sont sur Twitter en carton, là, on voit pas l'heure. On sait pas quand est-ce qu'ils ont mis. C'est chiant. C'est chiant. Rien à bouffer sur moi. Nope. Envie en fait. Ouf. Bah mon Dieu. Non plus. Putain, mais c'est lequel déjà? Non plus.